Guy 18. Salut tout le monde, c'est Zolid, on se retrouve pour un épisode de Resident Evil 8. La fois dernière, on avait fini de battre un espèce de géant golem. On avait acheté tout le shop au marchand. Et on devait rejoindre Heisenberg. On avait réuni tous les bocaux du coup. Et on se retrouve actuellement devant cette magnifique petite scierie. Qui je pense va être très sympa. Allons-y. Elle est belle, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Je pense que ça va être une de mes zones préférées. Ethan Winters, bienvenue. Je n'imaginais pas que tu survivrais à Donna et Moro, mais je suppose Donna, que tu es c'était ça, en Amérique, n'est-ce pas? Je t'aime bien. J'aimerais discuter avec toi de Rose et de Miranda. Allez, entre. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas un piège. Qu'est-ce que tu prépares? Ouais. Je me pose la même question, mon cher Ethan, parce que. Vu ce qu'il nous a fait au début avec tous ces pièges, toutes ces trappes, tous ces machins quand on est arrivé. C'est un tank ça. Effectivement un tank. D'ailleurs, on doit sûrement probablement avoir quelque chose à lire. Ouais. Ok. Ça y est, j'ai les 4 bocaux. Mais Heisenberg a dit que je devais encore faire quelque chose pour sauver Rose. Je dois amener tous ces bocaux à l'hôtel. Est-ce que ça va vraiment la sauver? Est-ce que ce type, je peux lui faire confiance? Est-ce que je peux faire confiance à ce type? Devant un pont. J'amenais le calice contenant les 4 bocaux sur le lieu de la cérémonie. Et un pont est apparu. Il y a une sorte de hangar ou d'entrepôt de l'autre côté. Sûrement là où la Heisenberg se trouve. Même si je n'ai pas envie de laisser Rose toute seule, je n'ai pas le choix. Je dois traverser ce pont. Attends-moi, mon ange. Bien. Eh bien, allons-y. Putain, la zone, elle est vaste. Hein. Mais à mon avis, il ne doit pas y avoir grand-chose qui traîne dans les environs. Ça m'étonnerait. Et la zone, elle est ultra large. Mais je pense pas qu'il y ait d'objets. Hein. C'est vraiment purement décoratif, à mon avis. Ok, bon. Tout ce qu'il y avait ici. Évidemment. Où est-ce que tu m'emmènes, mon cher Heisenberg? Où est-ce que tu m'emmènes? Chimique, ok. Là, il y a une trappe, ok. Ok. Putain, mais c'est quoi ça? Mia? La vérité fait mal. Laisse-moi deviner. Tu comptes m'éliminer comme les autres, comme ça tu pourras sauver Rose, c'est ça. Je veux guérir ma fille. Écoute, tu es à côté de la plaque. Je suis en train de parler là. Arrête-moi ce boucan! Désolé. Assieds-toi. Écoute, Ethan, on te mène en bateau. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu crois que c'est un jeu? J'ai dit assis! La grognasse avec son gros cul. La folle avec sa poupée. Et ce monstre débile. Tu saisis pas. C'est un test. Pour voir si t'es assez fort pour rejoindre la famille de Miranda. J'ai envie de faire partie de sa famille. J'étais comme toi, mais voilà. Et je suis le prochain, c'est ça?
Tu me tues et tu prends ma place? Allez vous faire foutre! Si tu savais comment je m'en tape de tes problèmes. Tout ce qui m'intéresse, c'est ma fille. Moi aussi. Tu as une idée du pouvoir que détient cette gamine? Même Miranda en a peur. Je te jure, du coup, c'est la dernière fois! Toi et moi, Ethan. Ensemble, on sauve Rose et on l'utilise pour réduire Miranda en miettes. Ma fille n'est pas une arme. Va chier! Dernière chance. T'as pas envie de savoir ce qu'il y a dans ce trou? Je prends le risque. Tu l'auras voulu. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, on court. Oh l'enfoiré! Qu'est-ce que c'est que ce machin? Oh putain, ça défonce tout! Un cul-de-sac! Oh non! Là! Ok. Ouh. Ok, ça passe. C'était quoi cette horreur? Ok, ça va. J'en ai une espèce de décharge, de vide. Vide poubelle quoi. Ah bah là, si je trouve pas de ferraille, je comprends pas. Hein. Mais qu'est-ce qu'on a par là-bas? Ok, bon, très bien. Bien fait de vous arrêter l'épisode avant. Mais non, encore vous! Putain, ils sont nombreux, ce bâtard. Ils ont un casque, les enculés. Ok. On a beaucoup de thunes. Bon, poursuivons, hein. On n'a pas trop le choix du moins. Ok. Ok. Très bien. Poursuivons. Il n'a pas l'air méchant, Heisenberg, mais d'un autre côté. Le fait qu'ils veuillent utiliser notre fille, c'est pas ouf quoi. Putain, je suis où là? Il faut que je remonte. Oh la vache! Oh c'est classe!
Ça fait steampunk, mais à mort. J'aime beaucoup. J'adore. Ça fait vraiment très steampunk, j'aime beaucoup. Oh, monsieur. Bonjour. Grâce à votre soutien sans faille, je propose de nouveaux services. Ça fait plaisir. Ah, oui, oui. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu me proposes? J'ai de nouveaux articles pour vous, monsieur. Ah, Winters. Oh. Oh, ça va me coûter très cher, tout ça. Pourquoi est-ce qu'il me proposerait des armes? Je voudrais dire que je les ai ratées. Ah oui, c'est normal que vous soyez intéressé par cela. Merci de votre visite. C'est pareil qu'une balle, hein. Puissance 200 au niveau 1. Puissance 180 au niveau 3. Ok, je cherche pas plus loin. Hein. On cherche pas plus loin. Hein. Quelque chose en particulier. Alors, je suis désolé, je sais que je pense que vous aimez pas trop que je sois dans la boutique, je le sais, je suis désolé. Merci, ça coûte très très cher. Hein. Qu'est-ce que je voulais faire? Si je voulais faire ça. Quoi? Attendez, j'ai fait une connerie là, non? Attendez. Bienvenue. Non, j'ai pas fait une connerie comme ça. J'ai pas assez. Il n'y a pas de fardeau trop lourd pour ceux qui sont forts. Attention tout de même à votre 180 000. C'est un investissement, Ethan. Oh. Je sais pas ce qu'il faut, j'aurais jamais dû acheter ça, j'aurais dû acheter d'abord l'autre. Là maintenant il faut 188 000, il me faut. Il me faut 188 000. Bon, on va continuer un petit peu encore. Ouais, on va continuer encore un petit peu. Oh, un truc qui va me donner de la thune. Oh, yes, ça tombe tellement bien ça. Un truc qui tombe parfaitement bien. Que j'ai la bouboule. Impeccable. Quoi? N'est pas la bonne boule? Je sais où elle va. Elle va chez Moreau. Pensez que sur un malentendu, il y a moyen de faire demi-tour? Je pensais que les boules, ils allaient dans chaque en fait. Mais non! Donc j'ai perdu, ouais, bien 120 000 quoi. Je suis deg. Je suis vraiment deg. Bon, bah écoutez, on va continuer du coup. Ah, je suis deg à mort. J'ai fouillé tout ce que j'avais à fouiller alors ici du coup. Ah, il y aurait juste ce machin quoi. Non, non. Que, du
coup je suis coincé que je peux pas ouvrir. J'espère que j'aurai l'occasion, avant de débloquer la fin du jeu, de retourner chez Moro, débloquer tout. En attendant, bah, on n'a pas trop le choix, on va avancer. Du monde là derrière. Même s'il est en semi-automatique, je vais quand même tirer coup par coup parce que ça me permet de mieux viser. Je suis trop deg de pas pouvoir tout acheter. Ok. Sûrement placer une plaque, je pense. Oh putain, j'ai. J'ai que dalle en arme. Raccourcir. 2. Oh, un sur un, enfin. Non? Ah si. Du quartz. Enfin utile, j'ai un peu de... Le sur un est enfin réutile. Pas assez de courant. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
qu'il y a là-dedans? Module. Ok. Bon. Cœur mécanique. Très bien. Très très bien. Non, rien me surprend non plus. On va vraiment le faire maintenant pour m'étonner, hein. Surtout ici. Ici à mon avis on va trouver des monstres qu'on avait nulle part ailleurs. Relève de cheval. Ça semble utile. Ici j'aurais raté quelque chose apparemment. Il y a encore des choses que j'aurais ratées. Je sais pas ce que j'aurais pu rater ici. Je sais pas. Bon, poursuivons. Ah ! Ah ! Je suis effrayé. Ah ! Casse-toi. Putain, là il y a besoin de masse crochet. Hein. Tant mieux parce que ça fait longtemps que j'en utilisais plus. Magnum ? Ouais. Beaucoup en plus, je crois. Bonjour à tous, donc c'est le Luz de montage. Donc, du coup, je me suis rendu compte que finalement, cet épisode ainsi que le prochain de nouveau, ils sont beaucoup trop longs et je peux pas vous les mettre en un seul épisode. Donc, du coup, je vous les coupe. Donc, je vous fais l'outro maintenant et puis on reprendra de plus belle la fois prochaine. Merci d'avoir regardé cet épisode, c'était The Luz. On se retrouve dans 4 jours pour la suite de ce Let's Play. Ciao tout le monde et à une prochaine. Allez, ciao.